tous, on est rendu à préparer les sols pour les tournesols. On est un mois en retard par rapport à d'habitude. J'ai le 956 derrière moi, la bête, avec le conskill. Et on va voir un petit peu le rendu que ça donne. Vous voyez le labour franc. Et là, ce que ça donne. On gratte légèrement, vous voyez là, 5 cm, pas plus. C'est le dessous. Le dessous est encore gras quand même. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, vous voyez. Le dessous là, si j'allais plus bas, ça ferait des lards indestructibles. Et là, bon, ce qu'on sort, ça va, c'est pas. Ah bah, c'est une pierre, ça, comme par hasard. Là, ça, là. Vous voyez, ça s'effrite bien. Le second tour qu'on passera normalement dans 2-3 semaines, juste avant de semer le tournesol. Là, en fait, ce que je fais, je passe en biais de ce qu'on grattera et semera. C'est l'autre passage, je passerai comme ça, en quinconce, pour que ça aille bien. Parce que pourquoi je gratte aujourd'hui, vous voyez, des runways qui sont à des stades assez avancés. Il y a des régras qu'on repiquait. Vous voyez, ça les dessouche quand même. On va avoir du vent du nord. Vent du nord, ça sèche normalement. Et ce qu'on a fait aussi, par rapport à d'habitude, c'est que j'ai remonté les rouleaux pour pas qu'ils tassent le sol, que ça aère le sol. Parce que vu tout ce qu'il a plu cet hiver, ben, faut mieux que le sol se refasse. Et ça permettra aussi aux mauvaises herbes de pas repiquer. Mais je suis pas content du boulot. Faudrait pas que ça soit plus frais quand même. Mais bon, tant que ça botte pas aux roues, on peut y aller.